Comment Moïse était capable de changer toute l'eau qui est en Égypte en sang, alors que magicien, et l'eau de l'eau tout, pour capable de faire même méchant. Lorsque on lit Exode 7, le verset 20, il affirmé que toutes les eaux du fleuve d'Égypte devinrent du sang. Cependant, deux versets après, on pourrait dire que magicien, et Yo réaliser même performance là. Ça voulu dit qui ça? Ça voulu dit que toute l'eau en Égypte pas changé en sang vraiment. Alors comment nous capables d'expliquer ça? Premièrement, nous besoin comprendre que lorsque la Bible utilisait mot « ça, à savoir toute, même Jean nous gardé regardé dernièrement lorsque il dit tout le pays d'Égypte et toute ça, n'est pas utilisé dans le sens absolu. Donc tout ça. Non seulement il pas absolu, mais il veut exprimer en sens de la majeure partie, la majorité. C'est dans ce sens-là qu'il parle. Mais c'est pas dans le sens de comme Sindado, son totalité absolue. De plus, il est important pour nous réaliser que lorsque Moïse fait de l'eau tout de l'eau, c'est de l'eau fleuve, là selon Exode 7, le verset 20, tu es toujours tiré de l'eau en Égypte territoire de l'eau, parce que vous-même, vous ne pouvez pas affecter. Et puis tout, lorsque les Égyptiens, vous-même, vous fouillez de l'eau, vous fouillez le beau fleuve-là, Donk le sa, yo te kapab joen de lo tou. E se si sa ke nou joen na le vers 24, yo te kapab joen de lo pou yo bwe. Paske loske ou fouye bo flev la, ou kreye de puy naturel, sab ki nan sab la, di menm li konstityon sot de filte, pou l kapab filtre de lo a, pou de lo a kapab vin potab. Moun kontinu filtre de lo a vek sab jusqu'a jounen choti ya. Donk pa gon mister nan sa. E donk nan san sa, egipsyen yo, yo te kapab joen de lo pou yo bwe panan 7 jou sa a. Que le fleuve là en Égypte est tout naissant. Donc lorsque nous dit que Moïse, lorsque le texte l'a dit que Moïse t'a fait toute l'eau tout naissant, toute l'eau ça d'abord, vous l'avez dit, l fleuve là, il e parlait dit que toute l'eau qui était existé en Égypte. Alors ça que passe c'est lorsque vous regardez le film, e dit commandement, on regarde les films les dix commandements, c'est peut-être là mon dû en erreur. Lorsque non seulement Moïse filmait des bâtons dans le fleuve là. Et puis, fleuve, la vine, tout naissant, yon montre dans le film que le monde a été couché pendant que y a vidé de l'eau dans le couche, la, même Pharaon a offert une offrande à Nila parce que Nila, fleuve, Nila, son divinité que l'y est pour yon lorsque la, la lo a de l'eau dans le couche la, et puis reste de l'eau dans le couche, Ton naissant. La Bible dit pas dit ça. Ça, c'est une ex... un exagération de film, les dix commandements de Charles Toneston, mais ce n'est pas un bagage que la Bible dit. La Bible confirmait que L'eau fleuve là, c'est l'eau qui tout naissant. Mais pas jamais dit que toute l'eau est dans la couche qui est tout naissant. Non. Donc, puisque toute l'eau en Égypte n'est pas tout naissant, il était tout à fait normal que magicien yote capable de jouer de l'eau pour capable de produire même performance. Donc, texte là, pas de contradiction là-dedans.